Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes, nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour des rameaux qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que Dieu nous donne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bienvenue dans cette cathédrale Saint-Vincent, ce dimanche des rameaux, l'une des plus grandes fêtes du christianisme. Nous célébrons aujourd'hui, il y a 20 siècles, l'entrée du Christ Jésus à Jérusalem. Cette entrée triomphale, le peuple l'a acclamée et l'invitait à le rejoindre chez lui, dans sa maison, dans leur maison. Nous sommes munis de ces buis qui vont être bénis, ces buis qui vont être posés dans vos maisons, dans vos lieux de travail, ces buis bénis qui vont manifester votre désir d'accueillir le Christ, non seulement dans vos maisons, mais aussi dans votre maison intérieure, c'est-à-dire votre cœur. Prions le Seigneur. Et nous levons les rameaux. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Et la lecture de l'évangile de saint Matthieu, je vais bénir vos rameaux. Je vais commencer par l'intérieur de la cathédrale. Thank you.
que j'allais bénir le marché. Je vais donc aller sur le marché. Pardon. Nous bénissons la rôtisserie. Oui, oui, oui. Il faut les garder, parce qu'on a... Il y en a qui... Je reviens. Et nous écoutons à présent l'évangile de saint Matthieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples. « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse, attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. » Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. » Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. » Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne. Ils disposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna, au fils de David !»« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth !» en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 20 siècles, le peuple de Jérusalem accueillait triomphalement le Christ Jésus, le Messie. Ils étaient dans cette attente que le Seigneur vienne les rejoindre, les sauver, les libérer. Nous aussi, nous sommes en attente d'une vie divine, d'une vie d'enfant de Dieu, d'une vie belle. En ce signe de notre désir d'accueillir le Christ, comme il a été accueilli sur la terre de Palestine il y a 20 siècles, nous allons à présent entrer en procession dans cette cathédrale, en levant bien haut les rameaux et en chantant de nouveau « Hosanna, au plus haut des cieux ». La procession se met en route.